partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés moto et scooter 2022. Bonjour à tous, 32 km d'allées parcourues, ce qui représente à peu près 46 000 pas par personne, des tonnes de café, de pizza, de pasta, quelques McFlurry pour les plus jeunes d'entre nous. C'était ça le salon de Milan cette année, un salon un petit peu spécial parce qu'il manquait quand même quelques grands constructeurs, Ducati, KTM, BMW entre autres. Mais on a quand même vu de belles choses. Alors je vous propose aujourd'hui une émission en quatre parties. On va parler des trails avec Matt. Ça va Matt ? Ça va très bien. Ça va ? Un peu reposé ou Je pense que j'ai encore un petit peu les traces sur les yeux, hein, ça doit se voir. Ma voix aussi qui a pris un peu parce qu'il fallait parler très fort pour qu'on nous entende bien dans les micros. Ouais, il y avait du monde quand même. Hein. Ouais, voilà. On va parler à deux avec Pauline. Coucou. Ça va ? Non, ça va très bien. Un peu mal au pied, moi. Par contre, tu sais, j'ai les pansements pour les ampoules. C'est bien ça. On va parler à deux, Moto 125 et un petit peu d'électrique avec Didier. Bonjour. Bon Didier, tu n'étais pas là sur le salon, tu étais en base arrière. Toi, tu as cartonné sur les articles sur le site. Je n'ai pas usé mes chaussures, moi. Toi, tu n'as pas usé tes chaussures, mais tu as les doigts en sang. Les doigts un peu, j'ai des ampoules. Tu as les doigts en sang. Ouais. Vincent, qui n'est pas là, il ne pouvait pas, justement, merci Didier de pas de prendre sa place, mais de nous aider justement dans cette émission. Et moi, je m'occuperai également de quelques motos intéressantes que j'ai vues sur le salon. C'est parti, on ouvre ce gros dossier nouveauté 2022. Bon, Matt, on commence avec toi. Pourquoi ? Yes. Parce que tout simplement, le trail est toujours à la mode, encore plus à la mode cette année. Oui. On a vu beaucoup de choses sur ce salon. Oui, il y avait beaucoup de prototypes, beaucoup de promesses de choses alléchantes pour la suite et le futur. Mais en termes de modèles concrets, il n'y avait pas tant de nouveautés que ça. Mais franchement, on s'est régalé au niveau des yeux parce qu'il y avait des choses vraiment géniales à découvrir. Je vais démarrer d'abord avec une moto à laquelle je ne m'attendais pas du tout et d'un petit constructeur, enfin petit, c'est Fantic. Ils ont débarqué avec une 450 Rally, donc c'est pas vraiment un trail, hein, qu'on soit d'accord, c'est un moteur de 450 Yamaha, donc on est sur une enduro, donc les entretiens sont beaucoup plus complexes, mais ce que je trouvais symboliquement fort, c'est que ils proposent une moto qui peut tout à fait, par exemple, faire des compétitions de rallye, puisque c'est une 450, il y a 30 litres de réservoir, donc ils viennent un peu en compétition avec un KTM et un Yamaha, et un Honda qui était plutôt actuellement majoritaire sur ce genre d'événement. Ouais, mais c'est un petit peu dans leur ADN parce que Fantic, on sait que c'est de l'enduro et tout c'est à fait. Du cross quand même quoi. Mais ça fait plaisir justement de les voir aller jusqu'à un peu ce graal du modèle rallye. Ouais, alors que moi je pense à d'autres marques, on les attendait pas forcément là-dessus. Ouais. MV par exemple. Oui, alors ça c'est la deuxième grosse surprise, c'est MV Agusta. Ils ont lancé un projet qui s'appelle le Lucky Explorer, parce que voilà, Lucky Strike, c'est un peu fini, puisque on n'a plus le droit de parler de ça. Et donc, ils ont sorti deux nouveaux gros trails. Il y en a un, c'est Pauline qui va en parler un peu plus. Et il y en a un second qui est le 9.5 pour 950 cm3. Et ça y est, on a un deuxième trail 3 cylindres sur le marché qui va débarquer, donc ça fait plaisir. D'accord, trail 3 cylindres, et moi je pense à Triumph. Ouais, et il y a aussi, dans ce cas-là, si on enchaîne toujours avec ça, un autre prototype, mais qui va devenir un élément de production très bientôt, puisque le 7 décembre, on va savoir, on aura toutes les informations sur ce modèle, c'est la Tiger 1200, qui, ça y est, va être enfin révélée. On a pu la voir en vrai avec Mehdi, on a d'ailleurs fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et on a pris déjà pas mal de choses, donc maintenant, il ne nous manque plus énormément d'informations. Ouais. C'est le prix surtout qu'on a hâte de savoir, et les modèles en fait qui vont sortir. Non mais ce garçon, Didier, il est incroyable. En fait, il voit la bécane, il sait déjà tout ce qu'il y a de changé dessus. À croire qu'il est né dans la boue, non, je peux dire ça, c'est pas sympa quand même. Ouais, j'adore le matériel, donc c'est vrai qu'on reconnaît vite en fait après un petit peu les spécifications de chaque élément. Toujours dans les protos, là cette fois chez Yamaha, on part super loin quoi. Bah là, c'est mon coup de cœur celle-ci. C'est vraiment, enfin celle-là, c'est celle qui m'a fait le plus rêver, c'est la Ténéré 700 Red. Et en fait, donc c'est un prototype qu'ils ont développé avec Paul Tarès, donc pareil, un de mes professionnels préférés qui fait des trucs complètement dingues, et Alessandro Bottellini, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Ouais. Et donc, ils ont développé un trail avec énormément de réservoirs, deux gros à l'arrière, deux gros à l'avant, une fourche surdimensionnée, un garde-boue haut, des freins complètement modifiés. Enfin, vraiment, ils disent que c'est à suivre. Donc, on va voir en fait ce qu'ils vont garder de cette moto. Peut-être des accessoires, peut-être un modèle de série grande voyageuse. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça faisait bien rêver de l'avoir sur place. Ouais, c'est intéressant. Didier, toi, tu avais essayé la première TRK 502. Tu te rappelles ? Tout à fait.
T'as vu la TRK 800? Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? TRK 800. C'est la montée en puissance des Chinois. Ce qui m'a quand même marqué un peu dans tout ce que vous avez ramené, c'est que un peu une absence ou des petites peu de nouveautés de la part des constructeurs traditionnels. T'as raison, ils parlent de prototypes, alors que là pour chez Benelli, on a un truc qui arrive. Alors que on savait, il y a 2 ans, ils l'avaient déjà présenté, leur 800. Ouais, sur le Leon Chino. Bon, le Covid a un peu... Normalement, ça aurait dû ressortir l'année dernière. C'est un peu tout retardé. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est que les Chinois, maintenant, ils arrivent sur le créneau 800, pas que chez Benelli du reste. Il y en a une autre, d'ailleurs, chez CF Moto. Voilà, chez CF Moto, avec un moteur KTM de la 790. Donc, on voit qu'il y a une avancée sur un marché nouveau pour eux. Et aussi dans les petites cylindrées, ils sortent toujours des nouveautés. D'accord. Alors que beaucoup de constructeurs sont à l'arrêt sur la 125, mis à mille. Les Chinois, il n'y avait rien. Si, de temps en temps, on a un ou deux trucs, mais le gros volume, il se fait aujourd'hui par les Chinois. Oui, tout à fait. J'ai trouvé vachement fun, en fait, au niveau de la présentation. Enfin, ils ont mis du orange fluo sur cette TRK, ils ont mis des couleurs sable. Moi, j'adore. Vraiment, c'est sympa. Elle a quand même, je trouve, un air de Tiger 900 qui est sorti depuis 2019, notamment sur la signature lumineuse et ce nez un peu hypertrophié. On dirait qu'ils ont essayé de faire c'est pas une caricature, mais voilà, elle est un petit peu amplifiée par rapport à la Tiger. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a étonné, c'est les rumeurs de prix, là. Pour une 800, c'est moins de 10 000 euros, elle sortirait. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit aussi sur souvent l'ennemi chez Benelli, c'est le poids. Oui. Je me rappelle, c'est ce que tu avais souligné aussi, toi, sur la TRK 502. Oui, parce que c'est des motos à 230 kg. Là, ils 500. Bon, apparemment, les 800 font guère plus. C'est à 226 kg sans les accessoires, mais en ordre de marche. Moi, je m'étais un peu trompé sur la vidéo. J'avais dit que c'était sans l'essence. Mais en fait, en re-regardant après, mea culpa, ils annoncent 226 en ordre de marche. Ils ont fait un effort par rapport à la 500. Ils ont fait quand même un petit effort. Et la MT, je crois que c'est à 800. À 230. C'est à 230, voilà. On a peut-être, on va dire quoi, on a une inflation de 10 kilos par rapport à des produits européens. Ça rattrape quand même un petit peu. Ils sont en train de travailler sur la qualité de leurs aciers, j'imagine, actuellement. Et on devrait arriver à des trucs. Et puis, au niveau des équipements ou des finitions, ils ont largement rattrapé. On voit chaque année la progression de qualité, de finition. C'est vrai. Et l'équipement qui est souvent pléthorique par rapport à ce qu'on peut trouver sur. On le constate également chez une autre marque d'origine chinoise, Vosges du groupe Longsin. Ouais. On a vu une 300 Rally, Matt. Oui. J'ai cru que c'était une CRF au départ. Je ne m'attendais pas à voir ça. En plus, elle était en rouge et blanc. Donc, ça portait encore plus la confusion. Surtout de profil. Et c'est vrai que déjà le prix, j'ai eu du mal à l'avoir. Ils avaient du mal à communiquer. Donc là, ils m'ont annoncé qu'elle serait vendue à 3000 euros. Sur le marché italien. Ouais. Et ils m'ont dit que globalement, le marché français, ce serait à peu près pareil. Donc j'attends de voir si ça sera vraiment le cas. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas forcément trop à rougir par rapport à la CRF, parce que c'est pas non plus une grosse référence. Je sais que globalement, les gens qui achètent ces modèles rallye, souvent ils retravaillent les suspensions, ils retravaillent plein de choses parce qu'elle n'est pas fitée pour les Européens, même si c'est une super base. Et donc là, d'avoir cette base-là qui pourra peut-être être aussi retravaillée, c'est intéressant. Et puis de moteur pas cher, il y a plein de gens qui réclament justement ce côté. C'était l'essence du trail à l'époque, la polyvalence, à un prix quand même assez accessible. Voilà, mono de 25 chevaux, pas spécialement d'électronique, un compteur tout ce qu'il y a de plus basique. Là, vraiment, on est sur l'essentiel du trail, comme certains apprécient. D'accord, c'est intéressant. C'était intéressant cette partie trail. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On va y revenir avec des A2 parce qu'on l'a dit, il y en a plein là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose, Didier? Non, c'est bon pour toi. Ouais. Bah, je vous propose d'enchaîner cette deuxième partie avec toi, ma Pauline. Pauline, les A2, tu t'es... Déjà, attends, expérience salon. Qu'est-ce qui s'est passé, vous deux? C'était la fine équipe? Ouais, on a bossé à deux, là. On s'est fait le duo. J'étais ton caméraman pour cette vidéo. Voilà, exactement. Mais alors, c'est pour ça que t'as vu que du trail. Fait, c'est impressionnant. Je crois que tu m'as vraiment... Il essaye de me convertir, en fait. Tu crois? Petit à petit, ouais. Non, mais comme t'es grande, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que t'as vu d'abord, de base, les modèles qui t'ont plu, toi, sur ces nouveautés? Moi, personnellement? Ouais. Ok. Alors du coup, bah, on va commencer par les Honda, par exemple. Les Honda 500, qui ont été modifiées, avec quelques modifications quand même à noter. Ça fait un petit moment, en fait, on les a découvertes là sur le salon, mais ça fait un petit moment qu'elles ont été présentées. Ouais. Exactement, la fourche inversée Showa, il y a également le double disque à l'avant. Double disque à l'avant, c'est concernant les freins, des pneus qui sont changés. Ouais, mais... ils sont passés en Road 5. Voilà, exactement, donc sur la gamme R, X et F. C'est ça, exactement. Elle a dit X.
Et le X, on va en parler des trails. Mais oui, super intéressant comme modification, je trouve. Et puis, ça va rapporter un gain de fraîcheur, je pense, pour ces Honda, qui sont quand même déjà très cotés. On les connaît déjà. Et justement, je pense que ça va faire du bien. Moi ça me fait sourire. Je reparle parce qu'on avait fait un comparo, justement, Honda et Vosges. Donc, ouais. Japon contre Chine. Et justement, la Vosges, elle avait le double disque déjà, des bons pneus plus. Ils sont en retard. Hein. Et là, maintenant, ça rattrape. Enfin, c'est marrant. Les Chinois ont un coup d'avance. Mais c'est bon pour nous, cette compétition, au final. C'est ouais, ça qui est au chouette. Final, ouais. C'est ouais. Les clients qui sont quand sort gagnant, surtout sur ce segment de gamme, ouais. Avec des prix qui sont vraiment hyper intéressants. On va chez Yam. On va chez Yam. On va chez Yam. C'est passé quoi chez Yam? Alors, déjà, on connaît tous la MT-07, hein, avec le faciès qui a été changé. Ils oui, ont refait le faciès de l'ensemble de leur gamme. Oui, on va pas Est-ce en parler. Est-ce qu'on doit rappeler que tu as été mis sur une 125 et tu as cru que c'était la MT-10? C'est vrai, j'étais bluffé. MT-125, j'ai cru que... Non, pas la MT-10, je pensais que c'était la MT-07. Ouais. Ok. Mais les coloris cette année, ils sont vraiment... Oui, tous regroupés. Les coloris, oui. Sion. Ils ont tous voulu faire une marque... une gamme globale de coloris, ouais. De la 125 jusqu'à la MT10, on a le Sion, du coup. Et on va parler quand même d'une nouveauté qui m'a frappé personnellement, la MT09. C'est n'importe quoi. Alors moi, je me suis... oui, parce que là, ça doit sembler un peu bizarre. Parce MT09 dit... A2, donc. Oui, A2. Ah, pardon, je vends le truc, quoi. Excusez-moi, j'ai vendu le truc. Pardon, Pauline. La MT09, moi, j'adore ça. Et quand j'ai vu sur le papier, compatible A2. Oui, un 3 cylindres, c'est bon, ça y est, il y est. Donc, ouais, mais aussi gros, c'est comme la Z900 quand elle est ouais, c'est vraiment, oui, ça ne me prend pas. Mais c'est une homologation spéciale. Parce oui. que oui. c'est pas. Le problème de ces motos-là, bon, c'est pour attirer le jeune permis. Bah oui. Mais en réalité, après, il peut. Souvent, les gens l'achètent parce que en se disant, une fois que j'ai mes 2 années, je vais la débrider et tout, mais ils n'auront jamais la puissance totale. Bah oui. Ouais, mais regarde. C'est-à-dire que c'est une moto qui est bridée à 70 kW, ouais. Après en 35, mais la moto d'origine, elle doit en faire 90. 115, oui, c'est ça, ouais. 115 chevaux, pardon. J'étais sur les chevaux. Si on parle en chevaux, 90 ouais. chevaux à 115, ouais. Tu perds 25 chevaux dans une moto qui est débridée, je vois pas l'intérêt. Je partage ton avis, c'est pour ça que je fais parce que pour moi, ce genre de bécane, c'est avant tout un moteur. Mm. Et du coup, s'il n'y a plus le moteur, mais ça marche. Okay, ça les marche gens, chez Kawa, ça, ouais. Avec la Z900, donc ils veulent contrer Kawa. Ouais, c'est possible. C'est purement les gens qui veulent de l'image, en fait. C'est les gens qui veulent de l'image, d'avoir regardé, moi, juste en sortie de permis, j'ai une moto très grosse. J'ai une MT09, c'est tout. Mais du coup, ils vont vendre moins de MT07. Pas forcément. Je pense que ça s'adresse à quand même un autre public, un ouais. peu plus âgé que ceux qui achèteraient des MT-07, ou même pour des gabarits qui feraient que la MT-07 soit un petit peu trop petit, par exemple. Ah, je connais oui, des grandes sûr. Perches, justement. Je vois pas de qui tu parles. Voilà. Non, mais sur une MT-07, ça semble entre guillemets ridicule. T'achètes un Thrive, hein. Mais, ah ouais. Mais oui, mais bon, on aime trop les roadsters. Voilà. Donc voilà, ça, je pense que ça s'adresse vraiment à une gamme un tout petit peu plus âgée que celui qui obtiendrait son permis à 18 ans. Donc voilà. Didier parlait de trail, donc celui-là, il n'achèterait pas la nouvelle Versys 650. Je pense pas. Non, tu penses pas? Ah, si, il y a vachement d'évolution. Sur la Versys 650, Il y a un super tableau de bord, un nouvel face avant, une bulle. Traction control aussi. Okay. Mais on s'en contente. Hein. Chez les Japonais, on semble s'en contenter. Ouais. Regarde Suzuki et sa katana. Ouais. C'est la seule nouveauté qu'il y avait à l'ECMA chez Suzuki. Il faut voir vraiment les évolutions esthétiques. Moi, j'en vois pas. Enfin, quand tu la regardes de loin, tu vois juste la couleur. Faut qui être est très jolie par ouais, ailleurs. Il faut être un fin connaisseur de la katana pour vraiment déceler les petites évolutions. Une lame. Pas mal. Bref. Bref, mais, du coup, on part chez Kawa. Bah on part chez Kawa, on a déjà spoilé Kawa. Voilà, on a déjà été. Toi, qu'est-ce que t'aimes dans cette... On en a parlé sur notre vidéo. Donc on a déjà parlé de la Versys 650 sur une vidéo spécifique que vous pouvez retrouver sur Motor Live. Moi, un petit mot peut-être sur la RS. Ah oui, c'est vrai que tu l'as... Moi, je l'ai essayé avant, mais c'est vrai que là, elle était présente. Elle est présente, je l'ai vue. Moi, je la trouve quand même mimi. Elle est choupinette. Oui, en fait, c'est la 900 RS, mais pour les nouveaux permis. Il y a une nouvelle 900 RS aussi. Oui, il y a une nouvelle 900 RS. Elle est en A2 aussi.
Donc voilà. Oui, je crois pas. Non, je crois pas qu'elle le soit, celle-ci. Non, elle n'est pas adressée. Ils n'ont pas fait une version spéciale. Non. Okay. Non. Ce qu'il y a comme nouveauté chez eux aussi, c'est sur la H2 SX qui a le radar, voilà, comme on a vu. Moi, j'ai cru au début que c'était une solution pour voir les radars ou les motos, mais non. Tu continues avec Aprilia. Ah, chez Aprilia. Ouais, mais on les avait déjà vus, non, les A2. Oui, les RS, RS660. Ouais. Il y a eu la Tueno également. Ouais. Et puis, non, il y avait quelques... Mais tu les avais pas vues toutes celles-ci, mais oui, si. Mais il y avait quand même quelques coloris aussi qui ont été modifiés. Alors, attends, il faut que je vous rappelle le Stars and Stripes. Stars and Stripes, le drapeau américain. D'ailleurs, ouais. Dis-moi, Jamie, pourquoi le drapeau américain? Alors, c'est simple, parce qu'ils sont engagés dans le championnat Pro Twin aux États-Unis. Ils ont gagné 10 manches sur 13. Et ben, donc, c'était l'occasion de faire un modèle pour évoquer un petit peu cette domination d'Aprilia sur ce segment-là. Oui, elle est mimi, elle est sympa. Elle est magnifique, mais il n'y a rien qui change à l'intérieur. On ne parlera pas de la Tueno Factory, on n'en parlera pas, mais on en parle quand même. parce qu'en fait, là, maintenant, elle passe en 100 chevaux, centrale inertielle, quick shifter de série. Mais du coup, comme elle passe en 100 chevaux, quel intérêt pour les A2? Donc, on n'en parlera pas, mais on peut parler de la Touareg, qui sera aussi dispo en A2. Oh, bah tiens, un trail. Encore un trail. C'est la première coupe. Oui. Alors, j'ai bien apprécié, donc j'ai pu me mettre dessus. La hauteur de selle, 840 mm de mémoire. Je me sentais bien sur la Touareg, sincèrement. Ah, la selle, elle est très fine. Ouais, la selle est fine. Donc, à voir avec quelques kilomètres, peut-être. En fait, souvent, c'est l'avant qui est fin parce que c'est pas l'endroit où on s'assoit. Et l'arrière, souvent, s'élargit justement pour qu'il y ait une zone confortable quand tu roules. Ouais, que ça te retienne. Mais oui, j'étais bien dessus. Et je pense que ça peut être un bon sujet de test, pourquoi pas. Ah, ça, c'est une bouteille envoyée à la mer, ça. on parlait tout à l'heure de la Versys sur le segment trail routier. Ouais. Autre trail routier chez Triumph. Oui. Tiger 660 Sport. On va bientôt essayer. Ça, ce sera pour le mois prochain. Donc oui. Mais c'est moi, c'est pas Pauline. Mais oui, bon. Bon, oui, bah, du coup, encore un trail roadsterisé, un peu. Ouais. Très sympa, moi, je trouve, quand même, hein, la bouille. Et puis, un 3-cylindres encore. Ah, mais c'est l'attaque de Triumph face à Yamaha. On avait du Trident 660 contre la MT-07. Bim, Tiger Sport 660 contre la Tracer 7. Avec une différence de prix de 100 €, mais quand même un petit peu plus de contenu technologique chez l'anglais. Ça va être intéressant. Il manque plus qu'une Tiger 660 pour contrer la Ténéré 700, donc toute simple en électronique, assez accessible avec un trail. Et là, ils auraient le trio de contre-attaque exact à Yamaha. Comment ? Route 21 ? Ah oui, idéalement. Route 21 et 18, histoire de faire le... Et puis, t'es espionné à Coventry ou en Thaïlande? Je sais pas. C'est juste que quand je vois la Aprilia, que je vois la Ténéré et qui sont prometteuses au niveau des ventes, je me dis qu'ils vont finir par débarquer aussi un C4. Ouais, c'est fort probable. On en parle ou pas de la 5.5 chez MV Agusta? Alors, on l'a vu. Enfin, MV Agusta ou étonnant, chez Benelli? Parce qu'elle ressemble beaucoup à la TRK. Ça dépend, tu montes l'avant ou l'arrière? Bah, c'est le moteur est fait avec QG. Ok, c'est une extrapolation du 500, on est en 550. On reste aux limites du A2. Elle est lourde, apparemment. De toute façon, à la base, la Benelli, elle est quand même un petit peu lourde, hein, la Benelli 500. C'est pas une mauvaise moto, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu d'embonpoint, quoi. Je vois pas comment ils ont pu économiser du poids parce qu'ils ont rajouté plein de trucs. En fait, quoi. Après, c'est beau visuellement. Hein. Visuellement, moi, j'aime bien. Après, ouais, le look de... Est-ce qu'elle a le look Porg, elle aussi? Oui, elle a aussi le Star Wars. Elle a aussi le petit look de Porg. En fait, ce qui change, c'est sur la face avant, ils ont surtout changé les coloris. De mémoire, le noir, c'est pour la 950. Ouais, et le blanc, c'est pour la 550. Je vais terminer, par exemple, de l'électrique. L'électrique, ça t'a plu? Ouais, ça m'a intéressé parce que j'ai vraiment envie de tester. Électrique à 2, c'est quoi alors? Alors, moi, je suis partie du côté de 0, par exemple, avec la FXE. Ah, mais la FXE, Vincent l'a essayé sur la chaîne. Exactement, mais attention, il l'a essayé en 125. La 11 kW, ouais. Ouais. Enfin, 11 kW en nominal. Après, en crête, c'est un avion de chasse, le machin. Là, elle va passer, du coup, en A2, en 15 kW. D'accord. C'était bien ça? Ouais, ouais. On valide. 0 à 100 qui est débile. 4 secondes, le 0 à 100. Mais pour une A2. moi, je veux essayer ça. Donc, pourquoi pas? Voilà. J'aimerais bien que tu fasses carrière longtemps.
En fait, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Et puis, il y a la SR aussi qui va passer en A2. Laquelle SR? Ah oui, chez Zéro, tout ouais. à fait. Oui, chez Zéro. D'accord. La SR qui passe en A2. En fait, ils ont la SRS qui est le haut de gamme, la SR qui est un peu plus accessible en termes de prix. Ils ont retiré quelques équipements et là, ils nous ont expliqué... Un peu plus accessible, c'est déjà super cher. On est d'accord, ouais. C'est, quand ils disent plus accessible, ouais. c'est genre quelques milliers d'euros de moins, mais on est toujours à plusieurs dizaines de un milliers d'euros. Plus de 10 000. Hein, ouais, voilà, c'est ça. On estime que les nouveaux permis, ils ont tous un portefeuille hyper garni. Bah là, je crois que c'est un peu le même profil que celui qui achèterait une MT-09 A2, c'est-à-dire de la personne déjà avec un bon pouvoir d'achat, c'est d'accord. sûr. Voilà. Ouais. Et puis pour terminer, une chinoise, ouais. si tu veux bien, comme vas-y. Ça on termine. Je pensais à la Zontes. À la Zontes ? Oui, la 350 GK. GK Sport Café. GK Sport Café. Ouais. Oui, comme ça on a un peu tout fait du trail, du café racer du coup. Celle-ci qui me faisait penser un peu à la Husqvarna, tu sais ? Ouais. 700, c'est ça ou même par exemple à la CB en termes de. En fait, c'est un peu carré sur le devant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on retrouve un peu cet esprit. Voilà, là, ouais. et puis le phareon à l'avant mm-hmm. qui faisait aussi référence à la Brixton, j'avais l'impression. Et... Donc voilà, mais j'avais bien aimé le gabarit et puis le monocylindre. Ouais. Donc pourquoi pas tester et découvrir. Non, mais tu sais quoi, ça reprend. Alors elle vient de la. En réalité, de la 125. Voilà, c'est un ça. Peu bizarre parce que. Mm-hmm. Sur le stand, effectivement, vous avez vu une 125 oui, GK. GK, mais qui n'est pas la Strombler qu'on connaît. Non, qui est extrapolée parce qu'elle a le même réservoir, mais les habillages et tout sont un peu plus anguleux. Il y a quelques éléments qui diffèrent. Mais donc sur la 350, on a une fourche, il y a un étrier radial, je crois, à l'avant, il y a des c'est petites choses en plus. Que t'as pas et elle est positionnée plus café racer. Ouais. Alors qu'on attendait, pour nous, la GK, c'était la Scrambler qui sortait en 350. Et vu le succès de la Scrambler en 125. Donc là, on a vu une 125. Est-ce qu'elle va être commercialisée? Est-ce qu'elle va remplacer la Scrambler? Alors bon, sur la Scrambler, enfin sur la 125 GK, il y avait des pneus à tétine qui étaient restés. Ouais. Alors que sur la 350, ouais. c'était des pneus routiers c'était sport. Du routier. Tout à fait, tout à fait. Qui correspondent plus à une café racer. Ouais, c'est vrai. Bon, là, il y a un truc, je ne sais pas trop. Un mélange. Ouais, puis parce que garder les deux. Et puis, elle est très beaucoup plus fun. Il y avait des coloris flashy, tout ouais, ça. Complètement. Est-ce que la clientèle, qui était quand même un peu néo-rétro sur la Scrambler, qui a été le gros succès de Zontes, qui ont cartonné avec ça, et ah ouais, ouais, les, ça cartonné. Doit faire deux tiers de leur vente de 125. Ouais. Est-ce que ça va continuer avec un modèle comme ça, plus flashy, plus sport? Est-ce que ça peut les inciter à passer à la catégorie supérieure? C'est une question intéressante, je pense qu'ils ne seraient pas dépaysés. Alors, est-ce que ce moteur aussi 350, on va le voir sur les autres remplacés? Logiquement, les 310. Le sur les 310 existantes. Ouais. Bon, on gagne 5 chevaux. Bah, c'est quand même pas voilà. mal, ça nous rapproche des limites de la catégorie. Mais on n'est toujours pas aux 35 kW. Ouais, mais c'est le problème de cette cylindrée. Parce qu'une cylindrée 350, 400, on a bien vu, ça traîne pas les foules. D'accord. Parce que les gens veulent ce qu'ils ont le droit de piloter quand on est en A2, mm-hmm. 35 kW déjà. Mm-hmm. Tout en pensant, en achetant une MT-09 A2, ouais. pouvoir avoir 115 chevaux qu'ils n'auront jamais parce que la moto est bridée à 90. Ah oui, bon. Mais elle est très intéressante ta question, ça me fait penser à Vosges, moi ce que j'ai vu sur leur stand, parce qu'ils avaient une 300 qu'ils ont passée en 350, la AC, c'est voilà. la gamme un petit peu classique, mais ils ont aussi la 500 qu'ils viennent de lancer, elle est disponible dès aujourd'hui. Et voilà, alors comment tu dois ça va se passer essayer la semaine prochaine. Ouais, je crois. L'essaye aussi la semaine prochaine. Mais déjà, j'ai tout essayé. On a vu la qualité, c'est pareil, l'augmentation de la qualité sur cette Vosges 500 ouais. par rapport aux Vosges qu'on a eues il y a deux ans. Mm-hmm. Ou la 300 AC déjà. Oui, c'est vrai. Il y a un gap qui est notable. En termes de finition, hein, vraiment. Ouais. Quoi. Et même, tu vois, cette 350 par rapport à la 300, moi, je trouve qu'elle est mieux finie. Elle fait peut-être un petit peu moins classique. C'est toi qui me le suggérais. Je suis un peu d'accord avec toi. On a des formes un petit peu plus carrées. On a une filiation un peu plus proche avec la 500. Ce que je vois surtout, moi, c'est qu'on abandonne le monocylindre pour passer voilà. au bicylindre. C'est-à-dire qu'on rejoint ce que faisait Yamaha avec sa MT3 et R3. C'est ça. Mais bon, est-ce que c'est suffisant? Oui, un bicylindre en agrément est supérieur à... Bon, ça a un peu plus de puissance, mais c'est aussi supérieur en agrément par rapport à un mono qui a des zones de vibration. Ouais, c'est vrai. Voilà. On s'en accommode, on dit que c'est du classique, souvent ça fait référence au passé, mais bon... Mais ça va être aussi un peu plus lourd, normalement.
tu es parti là sur les motos 125. Il y a d'autres motos 125 qu'on a vues qui sont super intéressantes. Voilà, on a eu des surprises. Bon, bah, c'est encore chez les Chinois. Mais, bah, hein, bon, tant pis pour les autres, ils n'ont qu'à avancer. Mais c'est un marché qui est pratiquement initié par eux maintenant, depuis le succès des néo-rétro, bah, des Mach, c'est des Orcal, voilà, qui ont amené des motos pas trop chères. Et relativement sympa en look. Ouais, ça amenait d'autres gens à la moto. Plutôt que les basiques qui existaient, qui étaient des produits des Japonais, mais fabriqués en Asie, et qui étaient des utilitaires purs, qui n'avaient aucun charme. Donc t'en parles de la Piega ou pas ? On a une Piega chez Mondial. Chez Mondial. Donc qui reprend la base de la HPS. HPS qui est un succès. Mais en France. Alors là, c'est un roadster moderne. Ouais. Très anguleux, très style KTM. Hein. Bon, je ne suis pas sûr pour les appuis aérodynamiques. Alors oui, il y a des appuis aérodynamiques. Mais je trouve ça joli quand même. Quoi. On les a vus où ? Sur une MVF 3. Ah oui, ça c'est la nouvelle F3, tu as tout à fait raison. Ouais, qui a des appuis aérodynamiques. Ah mais ça c'est la mode. MotoGP. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon là c'est... Je crois qu'on garde trop le MotoGP. Vu les performances, les 100 ou 110 km/h atteints. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, ça fait partie du look. Et est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui fait rêver les gens et ils s'identifient ? Bien sûr. Un peu comme bien ceux sûr. Qui roulent des fois avec des gros trails et qui font pas bien spécialement tout terrain. Ils s'imaginent. Moi, quand j'avais ma Punto, j'étais jeune, j'ai mis un petit spoiler à l'arrière et tout, ça servait à rien, mais voilà, c'était le style. Quoi. Donc, là, ça touche effectivement une clientèle plus jeune que ce qu'il y a actuellement, à mon avis, chez Mondial. Avec des produits un peu néo-rétro ou... Bah reste sur le néo-rétro, parce qu'il y a la Leoncino 125. Voilà, ça aussi, donc celle-là, on l'attendait, on en entend parler depuis 2 ans. On ne sait pas si ça va être importé, on n'a pas appelé encore... Si, c'est importé, si, c'est si, sûr si. D'accord, ok. Elle sera là en mars, ah, normalement. Super. Et c'est intéressant parce que là, ça va être un nouveau moteur dans cette catégorie. Bon, ce qu'on connaît sur les HPS, sur les mondiales, c'est des blocs d'architecture, l'ancien Piaggio qui était monté sur les Aprilia, Derby. Bon, entre-temps, il y a eu les normes aussi qui sont passées et qui ont un peu changé le caractère du moteur. Oui, tout à fait, mais qui existe toujours dans sa version Piaggio sur les Aprilia. Bien sûr. Donc, cette Leoncino, elle est bien sympa parce qu'elle reprend le style de la 500. Qui va sortir aussi en 800. Tout à fait. Donc il y a vraiment une gamme Leoncino qui se crée chez Benelli. Je t'ai grillé là. Ouais. Je m'agrée. Bon, c'est pas grave. Donc le petit point commun, c'est le petit lion sur le garde-boue avant. Oui, c'est et un style bien sympa. Donc le moteur, il est annoncé pour 10 kW, je crois. 10 kW, donc on n'est pas encore à 15 chevaux, c'est 11 kW, 15 chevaux. Mais bon, il y a beaucoup de moteurs qui n'y arrivent pas aux 15 chevaux. Oui, je suis d'accord. On le voit à l'heure actuelle, avec le passage à Euro 5. C'est compliqué. Ça rame un peu. Ça rame un petit peu, mais on perd en vitesse de pointe, on gagne un petit peu en agrément sur les mi-régimes quand même. C'est-à-dire que les constructeurs mettent des démultiplications plus courtes pour compenser la perte de puissance. Les motos tirent plus courtes. Donc en accélération, ça reste... bonifié, mais ça perd un peu en allonge et en vitesse maxi. J'ai envie qu'on dise un petit mot sur les scooters, parce qu'on a vu quand même pas mal de scooters cette année. Voilà, donc le scooter passe au mode trail. Voilà, on revient sur Matt. Ça arrive. Ça cause des dodanes et des trous dans la route, ça. Ils appellent ça Urban Adventure. C'est-à-dire les routes urbaines deviennent de plus en plus pourries. D'accord, ça balance. On est d'accord. Je vais la Paris, hein, et de ses ornières. Mais à Paris, ça devient un enfer. Je pense. Et encore, les motos, elles ont des suspensions. Les scooters, ils ont des suspensions, mais les vélos, tout ça, ça doit piquer. Les trottinettes et tout ça. Bon, ils ont des pistes cyclables pour eux. Elles sont peut-être mieux. Bon, enfin. Un peu plus de débattement, un peu confort. Parce que c'est souvent un problème sur les scooters, c'est le confort des amortisseurs arrière très rebondissant. Et plus le véhicule est léger, plus finalement l'amortissement est difficile à gérer pour un constructeur. Ouais. Mais tu vois, plus on a du poids, plus c'est facile. Mais alors, ils annoncent, c'est pas dingue non plus, on va gagner quoi 10, 20 mm en débattement. Bon, ça va voir ce que ça va donner. Style surtout qui change, où on retrouve un poste de pilotage inspiré des maxi-trails avec les crans TFT, la bulle, voilà. Mais moi, je pense comme le T-Max a instauré un style parmi la gamme scooter, je trouve que le XADV, finalement, est en train de faire des petits aujourd'hui. Avec le ADV 350 chez Honda, avec le SR GT 125-200 qu'on a vu chez Aprilia, avec le Sim Husky aussi qu'on a vu, un espèce de proto. Enfin, pour l'instant, moi je trouve qu'il n'a pas l'air complètement fini. On ne sait pas si ça va être importé. Ça, on ne le verra pas en 2022. Mais c'est une tendance. Mm.
C'est dommage que Honda, alors qu'on l'attendait sur le créneau 125, arrive sur un 350 qui est quand même un marché plus limité. Ils y arriveront aussi, tu vois. Ouais, peut-être que c'est le 125 est... Bon, ils font sur le Forza, qui est peut-être un produit plus européen. Ouais. Et que finalement, cette mode est peut-être que française. Je pense que ça devrait marcher en Italie. Ouais, parce que c'est quand même un peu la même philosophie. Oui, ils ont des routes aussi pourries que nous. Parce qu'ils aimaient les grandes roues, je veux dire. Oui. Les scooters grandes roues, ça ne marche pas en France, mais ça marche en Italie, en Espagne. On l'a vu à Milan quand on y était, ouais. Est-ce qu'un scooter trail avec justement... Parce qu'ils sont en combien en roues? En 15? 14, 15. Ouais, c'est bizarre qu'ils n'aillent pas sur des 16 pouces. Du 16 pouces. Ouais, comme on avait l'habitude. Faire un scooter trail 16 pouces. Scooter route 21, il n'y a pas de problème. Non, on se calme. On ne fait pas encore le Dakar. Non. Cela dit, vu le. On reste en ville. Toi, tu mettrais un réservoir dans le coffre en plus. Bah oui. Je sais qu'ils vont mettre de la terre sur le périphérique pour réduire le nombre de voies. Donc, ça sera peut-être plus pratique, mais bon. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est chez Kymco aussi, dans ce même style de baroudeur urbain. C'est le DTX 360 avec exactement le même style. Donc preuve aussi que Kymco aussi est de la partie et puis les autres vont suivre fatalement. Quoi. Moto électrique, Didier, scooter électrique, on a vu plein de trucs encore à l'ECMA. Oui. C'est incroyable, chez NU, Super Soco. Ça évolue encore. Propositions. Même toi, tu les as trouvées belles. Oui. La Super Soco V-Moto, la Stash, Stash. J'avais l'impression que c'est une moto dans le film Tron. Enfin, ça faisait le même style. Mais alors, je suis quand même très dubitatif sur cet engin. Ah. Parce que, en regardant de près, on s'aperçoit qu'ils annoncent un moteur central et on voit qu'il y a un moteur dans la roue arrière et qu'il n'y a pas de transmission. Donc moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on met un moteur central, il faut qu'on ait une transmission par courroie, chaîne. Tout à fait, oui. Et là, il y a un gros moyeu à l'arrière, comme un moteur brushless classique roue arrière. Donc je pense que c'est beaucoup plus un modèle d'expo et pour attirer les foules qu'une production prochaine. Voilà. Ça, c'est intéressant. Par contre, le scooter, c'est une augmentation de performance. 120 km/h en pointe avec un moteur de 6 kW. Donc après, le problème, 120 km/h en pointe, quelle autonomie ça va avoir? Mais on va perdre. À 45 km/h, ils annoncent 120 km d'autonomie. Mais à 120 km/h, c'est peut-être 45 km d'autonomie. Par contre, la moto était très belle. Et là, on sent un produit plus abouti que chez Super Soco, V-Moto, et certainement commercialisé en 2022. Alors, c'est le même bloc, c'est le même principe, 6 kW aussi. Donc, ça sera une moto qui, dans son approche, est beaucoup plus type zéro, mais avec un prix qui sera à moitié moins qu'une zéro. Ouais, c'est ça. Voilà, un prix qui est abordable. Et on voit que le créneau dans l'électrique, il est sur ce segment-là. Ouais. Les gens ne sont pas prêts pour à mettre 15 000 euros dans une... L'électrique décollera sur le créneau 6, 7 000. Ouais. Sur les grosses motos, Sur les grosses motos électriques, on est plus dans les 20 000 même. Ouais. Pour l'instant, c'est... Oui, mais il y a le problème de l'autonomie, il y a le problème... Bon, les points de charge commencent à augmenter et tout. Je pense qu'il faut encore attendre. Et donc, en scooter maxi, on a aussi effectivement le Zontes qui arrive. Donc, nouvel arrivant sur le marché du 300. Son cylindre 310 des motos récupérées sur un moteur de scooter avec transmission automatique. S'il prend 160 comme les bécanes Zontes 310, ça va être pas mal, ça. Oui. Alors, de l'agrément, c'est chouette. Je pense que ça sera un très bon moteur. Je pense aussi. Au niveau motorisation, il prend un look quand même très inspiré du X-Max. Ah bah ouais. Voilà. Avec un avant un peu différent, une prise d'air centrale. Oui, puis un éclairage là, tout ça. Voilà, un éclairage annulaire, un tableau de bord TFT qu'il n'y a pas encore sur les. Pas encore, mais ça va venir parce qu'on a vu arriver sur le T-Max cette année. On en parlera après du T-Max. Voilà. Je crois, petit handicap, il a un coffre réduit. Oui. Voilà. Il a l'air un peu compact aussi. Ce qui n'est pas le cas. Du Vosges SR4, du Vosges SR4 ou du BMW C400X Du BMW Vosges. Du BMW Vosges, l'ancien. Le BMW Vosges, oui. Alors, pour la petite histoire, c'était un véhicule qui existait dans le catalogue de chez Longchin, avant même l'introduction par BMW dans sa gamme. Okay. Donc, on n'a pas les dessous de l'accord,
Mais donc le C400 est sorti il y a 3 ans. Ouais. Chez BMW et n'a pas été commercialisé en Europe. Parlons de Chine. Donc, ouais. Chine ne vendant pas sous sa marque Vosges de scooter jusqu'à présent. Et là, surprise à Milan, un SR4, ouais, qui est purement le même que le BMW, bon, parce que c'était un produit totalement conçu par Longchine, ouais, pour BMW. Ça, ouais, n'était pas du tout ce qui s'était passé pour le C650. Ouais, où c'était avec Kymco, une définition de BMW avec une sous-traitance chez Kymco pour le moteur. Là, c'est l'inverse, c'était l'inverse. Donc, quels étaient les droits? Je pense que peut-être pendant un certain temps, Vosges ne pouvait, enfin Longchine ne pouvait pas le commercialiser dans d'autres pays que la Chine. Et puis qu'au, ouais, terme de 3 ans, ils ont le droit de le commercialiser dans le monde. Certainement. Parce que de toute façon, ils travaillent de façon très proche. Donc, je pense que l'accord, il était connu depuis le départ. Bon, alors, beaucoup de scooters, beaucoup d'électriques. Mais moi, il y a quand même des bécanes qui m'ont intéressé. J'ai envie de parler de la Fireblade avec le coloris anniversaire 92. C'était pas Népoline. Non. Voilà, qui reprend. Bon, 30e anniversaire pour la CBR. On va parler un peu de moto sportive, quoi. Mince. Qui revoit un petit peu. Monsieur, la revoit. Ça intéresse plus personne. Monsieur, ça intéresse plein de monde. Moi, ça m'intéresse. Mais non, c'est dépassé la vitesse. Mais non, mais c'est pas pour la vitesse. Justement, tu vois, là, ils ont fait quelques modifications pour qu'elle soit plus remplie à mi-régime, pour qu'elle soit un petit peu plus routière, cette CBR. Il y a encore quelqu'un qui roule sur la route avec des sportives. De 217 chevaux pour 201 kilos, ouais, moi, je trouve que c'est, ça se faufile vite dans la circulation. Alors, autre chose sur une sportive, on est chez CF Moto avec le concept SRC21. C'est mon coup de cœur du salon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir parce qu'il y a des images incroyables de Quentin. Cette moto, bicylindre 400 cm3, un châssis incroyable, une forme incroyable, E-Lins pour les suspensions, Brembo pour le freinage, SC Project pour l'échappement. Et évidemment, ça ne va pas sortir comme ça. On m'a confirmé que ça sortait bien cette année, cette petite sportive haut de gamme. 450 cm3. 400 cm3, ouais, en bicylindre. 400. Pour l'instant, ouais, 400, c'est bien, oui. 400. Ah oui, donc ça serait... D'accord. En fait, c'est une évolution de leur gamme. Eux, ils ont c'est une SR300. C'est le Twin 400. C'est le Twin 400. Mais là, c'est de toute beauté à déguster dans, ah ouais, le détail. Elle est magnifique. C'est incroyable. Moi, je ne suis pas très sportive, mais même là, avec c'est, le carbone forgé rare, partout... et on n'ira pas faire un tour ensemble, mais je te la prêterai. Ah, je dis pas non. Je pense qu'à deux, ça va être un peu compliqué, quoi, en fait. Mais c'est vrai qu'en termes de style, là, pour le coup, on n'a pas trouvé de modèle qui lui ressemblait en plus. Ils ont vraiment créé une personnalité unique. On ne pourra pas dire qu'ils ont copié un tel ou un tel. Là, elle est vraiment unique. Moi, j'ai bien aimé aussi la Leoncino 800. Toi, je sais que la Leoncino 500, c'est un truc que t'aimes bien, que t'aimerais bien essayer. T'as pas encore essayé, non, encore. Mais j'ai failli la choisir comme première moto. Hein. Bah, tu vois, et là, la 800, elle est aussi attirante, je trouve, qu'en termes de finition aussi, ça a augmenté un petit peu. Alors, c'était pas mauvais, hein, déjà, sur les 500, mais je la trouve vraiment belle. Deux déclinaisons, normale et trail. Trail un petit peu plus haute. Avec un peu plus de débattement, des petits accessoires spécifiques qui font toujours plaisir. T'as dit, ouais, voilà, tu vois, on en revient encore à Matt, quoi. Je suis sûr que c'est une route 19. Parce qu'il y a beaucoup de trails comme ça. Oui, c'est une route 19, ouais, voilà. Tout à fait, c'est une route 19. Ça m'étonne pas. En revanche, qui n'est pas en route 19, pour finir, je suis allé chez Yamaha parce que je voulais voir leurs deux nouveautés que sont, en plus de ce qu'on a déjà dévoilé, on a parlé aussi du T-Max. Moi, le T-Max, je ne suis pas hyper fan du style. J'ai discuté un petit peu avec les Italiens et notamment le T-Max Club Italie qui, eux, sont complètement fans du look. Et par contre, bon, moi, je mettrai le look de côté. Ce que j'aime beaucoup, c'est la planche de bord TFT. Elle est superbe. Elle est vraiment grande, un écran 7 pouces. La position de conduite, c'était un des trucs qu'on reprochait, tu vois, au maxi-scooter japonais. Là, avec une arcade un petit peu retravaillée, un guidon aussi différent, c'est plus joli qu'avant. La perception aussi de fabrication est mieux. Je ne sais pas si c'est le petit bouchon de réservoir type bécane. C'était déjà bien, c'est vrai, mais je trouvais qu'il y avait un peu de plastique, moi, autour du tunnel central. Là, je le trouve un petit peu plus valorisant. Il est un peu moins sport. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus statutaire, quoi. J'aimais bien. Mais bon, alors, j'étais déjà pas fan du précédent millésime. Pour moi, c'était 2018, tu vois, le dernier qui était vraiment un peu sportif, que je voyais un petit peu l'héritier d'une R1, par exemple, quoi. Je ne suis pas fou, je vous jure, c'est mon ressenti, quoi. Mais MT10, on a vu aussi, et la version SP qu'ils ont annoncée au moment du salon. Là, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je suis pas fan. C'est toujours aussi moche. C'est toujours aussi moche. Moi, j'aimais bien la tronche de Wally avant, quoi. Avant, mais apparemment, elle faisait pas référence, quoi. Mmh. Et là, cette évolution,
Je la trouve mieux en vrai qu'en photo. Je ne suis pas hyper convaincu, mais on sent un beau travail. Il y a des lignes qui sont sympas sur cette face avant. Ce qui est sympa aussi, c'est les grosses écopes. Et tu as des grilles, juste quand tu tiens la bécane comme ça. Et apparemment, ils auraient retravaillé un retour d'acoustique pour que tu aies des bruits de boîte, pour que tu aies encore plus. Alors déjà que le CP4, c'est pas triste. Mais alors j'imagine qu'avec avec ces modifications, ça va être sympa. Ça fait très robotique, je trouve, leur nouvelle gamme, globalement, de MT. Ouais, ça, fait des, ça fait des têtes peu... vraiment d'Android, de robots sur Transformers. Transformers, c'est bah, quoi, un peu dans 4, cet esprit Kawa avec... Pardon Didier ? Rejoignent dans cet esprit Kawa. L'esprit Tsugumi chez Kawa, ouais, ils reviennent à des motos c'est très personnelles. Très manga. Alors que la XSR 900, avec son phare rond, son petit cul carré, moi j'aime bien, et puis le coloris bleu façon Christian Sarron, je sais pas, moi j'adore quoi. Il y a des petites grilles aussi sur le réservoir à l'avant, je sais que ça va être super sympa. Elle est sympa. Passée aussi à l'écran TFT, la, ouais, la XSR. Tout à fait, tout à fait. Et la elle 125 hérite. Aussi. Elle hérite des modifications qui ont été apportées l'année dernière sur la plateforme CP3, en fait, à tout ce niveau-là. Avec un bel ensemble de suspensions, full réglable. Non, c'est cool ça, c'est vraiment cool. Les jantes dorées, tu vois, qui contrastent avec le bleu. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Ouais, c'est quand même... Et c'est on finit par une voiture électrique pour... Ah, on finit par une voiture électrique, oui, parce que nous, on n'est pas sectaire, on est généraliste. Et on finit. Ah, c'est une voiture ou un scooter? Un quadricycle. Non, mais tu sais quoi, c'est plus qu'une voiture, c'est un peu une révolution, entre guillemets. Je pense que tout le monde a vu le succès de l'ami. Voilà, bon, c'est ce que c'est du plastoc, c'est. Mais ça marche quelque part. Ça marche super bien. Et là, on est chez Silence, chez l'Espagnol. Voilà. Et alors, c'est génial parce que. Alors, il présentait le Silence Plus, qui est un modèle un peu plus performant et qui va jusqu'à 120 km/h. Oui, Didier. Avec un peu plus de capacité aussi de batterie. Qui vaut 1000 euros de plus. Ouais. Et à côté, il y avait le S04, donc qui est une micro-voiture. Nanocar, ils appellent ça. Nanocar, ouais. Deux places. Tu verras un niveau de fabrication un petit peu au-dessus de ce qu'on voit chez Citroën. Un bel écran TFT. Et surtout, tu peux mettre... des batteries interchangeables. Oui. C'est-à-dire qu'on récupère le système de trolley qu'il y avait dans le S01. Avec, ils veulent faire aussi, des stations aussi d'échange comme il y a en France avec Zeway ou tout ça. Et donc, alors apparemment, on ne sait pas le prix. On sait qu'elle sera commercialisée l'année prochaine. On sait pas le prix, mais on sait qu'il y a deux types. Il y a une L7E qui va jusqu'à 90 km/h, une L6E limitée à 45. Et sur cette L6E limitée à 45, donc comme la Citroën Ami, ils annoncent un prix très compétitif. Donc on imagine, c'est quoi, c'est 6 000 balles, 7 000 balles une AMI ? L'AMI, je crois, c'est 6 000, non ? Oui. Ouais, c'est ça. C'est donc, dans ces à zones. Mon avis, vu la qualité de fab, vu les équipements qu'il y a dedans, il y a l'air conditionné, il y a pas mal de choses qui sont un peu sympas, quoi. Ah, ça devrait prendre 2 000 balles de plus. Allez, je m'engage, 2 000 balles de plus. Oui, parce que le scooter, il est dans les 6 000 déjà. De exactement, base. Exactement. Avant aide, après aide, suivant les pays, voilà. Voilà. On a vu plein d'autres trucs en électrique, hein, Didier, les Verge, plein de productions chinoises, de toutes les qualités, vraiment des trucs bas de gamme, basiques, que tu n'as plus qu'à rebadger, et des trucs vraiment très très hauts, avec beaucoup de personnalisation. Je crois qu'ils ont un peu d'avance en Chine sur l'électrique. Ouais, ils ont vraiment de l'avance. Ouais, c'est le créneau qu'ils prennent. Parce que rien, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas un proto électrique chez les Japonais. Pas encore. Mais on a parlé avec Kawasaki. Ils annoncent, oui, ils annoncent. Mais ils en annoncent pour dès l'année prochaine. L'année prochaine, des protos, et dans 4 ans, ils ne seront pas prêts avant 2024. Ils ont dit 3 modèles l'année prochaine, et ils ont dit 10 modèles avant 2025. Bon, on parle de protos, de modèles de production, on ne sait pas encore, mais en tout cas, chez Kawa, ça bouge beaucoup. Électrique, hydrogène, mais aussi des technologies pour pouvoir adapter des carburants plus performants, moins polluants. Synthétiques, exactement. Bah ça, ça a été voté, ça a été annoncé pour le MotoGP. Ouais. Donc, à partir de 2024, les carburants devront employer 60% de carburant synthétique, hors combustible fossile. Oui, tout à fait. Et à 100% à partir de 2027. C'est ça. Donc ça veut dire, c'est un pari, mais ça va à l'encontre de l'électrique. C'est le développement des carburants. C'est ça qui est intéressant. Bah, tu vois, sur ce salon, on a vu quand même beaucoup de choses sur le thermique, mais on a pu beaucoup réfléchir aussi à ce qu'allait être quelque part un petit peu l'avenir de notre passion. Et finalement, moi j'aime bien le fait que ce ne soit pas que cloisonné sur de l'électrique. En tout cas, merci à vous, merci pour votre participation. Très active cette semaine. Oh là là, c'était passionnant de travailler en équipe comme ça, en base arrière et puis sur le terrain avec tout le monde.
Voilà, bon, j'espère que notre couverture vous a plu, j'espère que cette émission vous a plu. Puis on vous dit au revoir et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine de Moto & Co. Bye. Salut.